tous en forme? Avec Chérie Vallée du Rhône. Dans cette chronique, nous allons beaucoup parler de poids, de surpoids, mais est-ce que ça ne s'adresse qu'aux parents d'enfants en surpoids? Non, effectivement. Ces chroniques s'adressent à tout le monde. Vous pouvez vous sentir concerné parce que votre médecin ou l'infirmière scolaire vous a déjà dit que votre enfant était en surpoids. Mais peut-être aussi que vous dites que ça ne vous regarde pas, alors soit parce que vous ne savez pas que votre enfant est en surpoids, soit parce que votre enfant ne l'est tout simplement pas. Pourtant, ces chroniques, elles s'adressent aussi à vous. Mais alors pourquoi et comment l'explique-t-on? Eh bien parce que les conseils liés aux saines habitudes de vie sont valables quelle que soit sa corpulence et quel que soit son âge. Manger équilibré, selon ses besoins, bouger, dormir suffisamment, les conseils sont les mêmes pour tous les enfants. Ce qui est d'ailleurs assez pratique quand on a dans une famille un enfant mince et un enfant qui ne l'est pas, par exemple. Et c'est aussi valable pour nous, les adultes. Vous le verrez, le poids n'est pas si important que ça. Et alors, si mon enfant est déjà en surpoids, est-ce que je peux faire quelque chose et est-ce que c'est compliqué? Bien sûr, vous pouvez agir. Alors, c'est pas toujours simple de savoir comment s'y prendre, mais nous allons justement voir ce qu'on peut faire au quotidien pour préserver notre santé et celle de nos enfants. Nous allons parler de ces petits riens qui font beaucoup, de ces habitudes pas si faciles à perdre quand il s'agit des mauvaises et qui sont parfois un peu plus compliquées à prendre quand il s'agit des bonnes. Et puis on va aussi faire tomber quelques idées reçues parce qu'on entend tout et n'importe quoi et qu'il n'est pas toujours simple de démêler le vrai du faux. Tous en forme avec le réseau Préo. Réseau de prévention et de prise en charge de l'obésité pédiatrique, lauréat du prix EOVMC des fondations.